Pour tenter de jouer une solution ensemble avec la crise qui a ravagé le pays d'Haïti, eh bien, le Conseil permanent OEA lui-même a été débarqué en Haïti hier mardi 8 juillet 2021. Une façon pour lui rencontrer les acteurs politiques et pour lui chita parler sous Jean Yota jouer une solution pour lui résoudre la crise, pour lui aller vers des élections libres et honnêtes. Eh bien, nous rappelons que la mission OEA lui-même directement c'est pour lui défendre la démocratie, défendre les droits humains, lutter et puis renforcer le territoire contre la violence et l'insécurité, mais aussi il a tout pour faire une coopération entre les États américains et aussi lutter contre ça nous carré le trafic de drogue ensemble avec l'autre produit illicite. Si OEA rentre en Haïti, c'est parce que eh bien pouvoir en place là te prend décision pour yo ka gagner yo dialogue franc puisque c'est seul dialogue selon président Jovenel Moïse qui ka retiré pays d'Haïti dans situation difficile et compliquée ça que li plongé depuis quelques années déjà. Eh bien avant tout mission lui-même li te rencontré président Jovenel Moïse qui renouvelé engagement là pour yo joindre un dialogue franc pour yo ka aller vers des élections libres et honnête dans fin année 2021. Après que OEA lui-même il était fin rencontrer président Jovenel Moïse, il rencontrer quelques membres dans opposition tant que Yuri la Tortue serait Jacinthe et bien président parti en avant qui c'est Steven Benoît ensemble avec quelques autres partis en dans opposition politique là. Et bien Yuri la Tortue ensemble avec Serge Jacinthe bon côté par eux fait connaître que et bien si yo te al parlé ensemble avec mission OEA c'est parce que yo t'al négocié départ président Jovenel Moïse qui vraiment inévitable dans tête pays a. Steven Benoît bon côté pas lui même faire comprendre que OEA pas là pour une médiation mais OEA là lui même yon façon pour lui ka vinn tâter terrain yon façon pour lui voir qui j'ai crise là a ravager pays d'Haïti puisque médiation OEA li pas utile pays d'Haïti en rien mais quand bien même yo té aller rencontrer mission ça et discuter de départ de président Jovenel Moïse. Secteur démocratique là bon côté parle té ba yo conférence de presse yon façon pour li té ka boudé invitation OEA. Yo fait comprendre que OEA vraiment mais vraiment complice dans tout ça qui a passé pays d'Haïti là puisque yo pas jamais suspend supporter toute bêtise que président Jovenel Moïse fait sous pouvoir et surtout faut OEA songer que mandat président Jovenel Moïse même li fini 7 février 2021 qui saute passé là et si yo ta gagné puis une conversation un dialogue ensemble avec OEA et bien c'est ensemble avec maître mécène Jean-Louis puis yo ta fait puisque c'est lui même que société civile là yo même yo choisi yon façon pour yo ka fait et bien transition de rupture ensemble avec pouvoir PHTK ça qui presque fin tout fait pays a opération tête ensemble bon côté parle tout fait connait pas gain pièce dialogue qui possible ensemble avec mission sila puisque fok président Jovenel Moïse aller sans négociation yo pas gain ni dialogue ni cohabitation et pas gain ni élection non plus ensemble avec président Jovenel Moïse. Secteur démocratique là lui-même il décidé faire un rapport de 9 pages rivé by OEA yon façon pour yo ka analyser et lister tout ça qui a passé dans pays là sous pouvoir président Jovenel Moïse là et faut gen yon départ de président immédiatement au pouvoir pour mettre mécène Jean-Louis lui-même il prend fonction et comme ça pays a joindre Youssouf et aller vers élection ensemble avec transition de rupture ça qui supposé gagner en dans pays a. N'a rappelé que Yuri la Tortue c'est yon nan moun qui te participé et bien nan mette maître mécène Jean-Louis sous pouvoir 8 février 2021 qui saute passé à la. Par contre Yuri la Tortue c'est yon nan moun qui et bien rencontré mission OEA immédiatement que président Jovenel Moïse lui-même li fin rencontrer mission et maître André Michel bon côté parle critiquer quelques membres dans opposition et bien qui toujours a retenir miette et qui toujours a passer par en bas yon façon pour yo ka fait yo bien paraître devant pouvoir ou du moins devant blanc qui donc
moun sa yo yo même faut que tu suspend ti jouet ça que y a joué ensemble avec pays d'Haïti puisque yo même yo c'est avocat peuple là yo pas abandonné peuple là d'après Nenel Kassi Majorie Michel ensemble avec André Michel n'a praplo yo grand jour avant que mission OEA li même li débarquer en Haïti CEPA a décidé reporter référendum là pour une date yo poko koné et yo fait comprendre que c'est face ensemble avec augmentation ka COVID-19 yo en de pays a qui fait que yo obligé renvoyer référendum là puisque yo pas ka permettre yo mettre la vie peuple haïtien en danger ensemble avec coronavirus c'est ça qui fait que yo renvoyer référendum là a yon date que yo poko konnen. Mathias Pierre bon côté parle défend tête pour faire comprendre que piga peuple là li même li méprenel puisque référendum constitutionnel là li a toujours fait. C'est vrai que yo poko gen yon date mais CEPA li même li gitan commencé travail sous yon document afin que tout bagay yo ka fin analyser et fin résoudre comme ça y a joine yon date pour référendum constitutionnel là lui-même li fait en dans pays d'Haïti. Parti Fusion bon côté parle qui vraiment fait silence, un silence total depuis quelque temps qui pas fouer bouche dans ni causer départ président Jovenel Moïse qui pas fouer bouche dans ni causer référendum constitutionnel et bien yo décidé sortir dans silence ça yo façon pour yo ka répondre premier ministre pays d'Haïti a Claude Joseph nan déclaration que li te fait pour te faire comprendre que gen men politique derrière zak insécurité sa yo qui a fait en dans pays d'Haïti depuis quelque temps. Et bien Fusion fait comprendre que vraiment ça Claude Joseph Abdia c'est une façon pour défendre tête li puisque 4 jours après c'est le ça que décidé à descendre sous Matissan côté on paquet moun te gete perdu la vie et on paquet l'autre te gete prend la rue pas même ka manger yon façon pour yo ka sauver tête yo en bas groupe armé qui donc faut que premier ministre repense bagay yo et li profite soutenir quelques allégations tout qui fait comprendre que c'est 10 millions de gourdes que premier ministre a li même li ta arrivé payer groupe armé Matissan yo yon façon pour l'ital fait si balade ça que l'ital fait sous Matissan puisque d'après Fusion Claude Joseph pataka permettre mettre pied comme ça Matissan sans que pas gagner pièce paiement qui fait ensemble avec groupe armé qui donc faut que premier ministre reprenne mail pendant l'a dit que c'est un paquet mais politique qui derrière causé zak insécurité ak banditisme qui a fait nan pays a depuis quelque temps déjà. Chez Toto bon côté parle défend tête li pendant que l'a démenti toute rumeur qui t'a fait comprendre que li t'a participé nan financer groupe gang armé yo yon façon pou yo ka simé la troublaille ensemble avec la terreur en dans pays a. Qui fait comprendre que yo même yo c'est des hommes d'affaires et tout ça yo fait c'est normalement mettre des entreprises sous pied une façon pour aider population haïtienne qui donc question à faire comprendre que lui-même il participer dans financer groupe gang yo c'est un menti total faut que yo ta suspend répandre genre de rumeurs ça yo sous lui-même puisque tout ça l'a fait encore une fois c'est aider pays d'Haïti dans ce spal pendant que l'a créé des emplois qui donc il peut pas jamais arriver nuit personne nan population haïtienne nan pour tap alimenter groupe gang armé nan pièce condition que possible. Coronavirus a fait normalement yon ravage actuellement là nan pays d'Haïti et nous ka remarqué que moun yo continue pas respecter principe que MSPP a li même li établi yon façon pour nous ka éviter ka coronavirus augmenter. Qui sa principe ça ou dit c'est mettre cacheté lors non lieu public respecter 1m50 de distance là pas bail en main pas beau pas main visage nous yeux nous bouche nous ensemble avec nez nous et continuer laver mais nous c'est comme ça n'a pas éviter contracter coronavirus ça qui vraiment dangereux. Même là c'est ça les États-Unis fait pays d'Haïti un don de 50 concentrateurs d'oxygène vitaux une façon pour yo qualité contre coronavirus et une façon pour yo ka sauver la vie quelques l'autre monde qui est contracté mais bien malheureusement qui pas gagné assez d'oxygène pour yo ta rester en vie.
Donc ça, si pays États-Unis fait là, c'est parce que yo veut renouveler engagement yo pour yo continuer travail main dans la main ensemble avec pays d'Haïti, yo façon pour yo ka lutter contre pandémie COVID-19 là et yo façon tout pour yo ka aider pays d'Haïti et bien sauver tête en bas situation sanitaire ça qui vraiment commencé dégradé. N'a rappelé que Mexique bon côté pas tout te fait pays d'Haïti un don de 2 respirateurs artificiels yon façon pour lité ka continuer combattre COVID-19 en dans pays. Mwen a dit coronavirus li même est vraiment réel. Faut pour yon continuer prendre précaution yon façon pour yon ka protéger tête yon contre propagation exponentielle ça que coronavirus li même li a fait en dans pays d'Haïti. Directeur de DDO a fait comprendre que pas gagne pièce mandat qui émet par un substitut commissaire qui valable. Yo nul et yo sans effet jusqu'à nouvel ordre. Qui donc c'est le commissaire en chef là qui gagne droit émettre yon mandat pour yo ka arrêter ou du moins pour yo ka vinn tande yon moun devant tribunal. Tout substitut commissaire qui t'a envie émettre yo mandat d'amener et eh bien directeur DDO a fait comprendre que mandat ça lui-même li ap nul et sans effet. Mesdames et messieurs, c'est toute information ça que on t'ai porté pour aujourd'hui. Merci d'est-ce que vous continuez prendre temps de nous, merci d'est-ce que vous continuez prendre temps like, commenter, abonner, partager et merci d'est-ce que vous avez toujours invité yon notre grande ville abonner pour qu'on arrête connecté ensemble avec bon information. Nous bon rendez-vous pour l'autre sortie rubrique ça. Bye bye.